Bon, on est donc là pour une nouvelle vidéo. On est donc là pour un BTS live sur Jack 3. Jack 3, mon dieu. Jack 2. Pourquoi est-ce que j'ai dit Jack 3? Parce que je joue à Jack 3, j'imagine, c'est pour ça, dernièrement. Donc, en tout cas, un BTS live sur Jack 2. Donc, notre but, ce sera pas de, je sais pas, de aider Thorn à vaincre le baron. Non, non. Ce sera de revenir au village des sables. Et voilà, c'est notre but. Donc, j'ai pris une demi-vie sauvegarde. En fait, c'est pas si vieille que ça, j'imagine, mais bon, parce que j'ai joué dernièrement, en 2010. Donc, c'est pas dernièrement, j'imagine. Mais bon. Donc, c'est très bon, tiens. Start. Voyons voir si un mode 480p, s'il y en a un. Je vais le mettre en 480p, le jeu, je veux bien dire. Voyons voir, option graphique. Ah, bien, bien, oui. En plus, il y a du 16/9. Donc, faisons du 16/9 en 480p, n'est-ce pas? Donc, ça va être une coupure, donc, allons-y. Donc, parfait. Donc, j'ai fait la coupure. Donc, regardez, on est maintenant en 480p, 16/9. Donc, parfait. Je me suis un peu chanté d'être grand plus, ça a l'air de pas mal. Donc allons-y. Donc option secret. Quoi? Mais où sont les secrets? Parce que ce sont les secrets qu'on doit aller. Attendez ça. Voyons voir si je mettrai cette carte mémoire là. Memory card là, comme je les appelle. Et voyons voir, charger. Quoi? Cette carte mémoire là ne possède pas de données Jack de 2. Mon dieu. D'accord, essayons un autre. Faisons un autre, j'utilise mon gros PlayStation 2, je viens de dire. Tiens, utilisons celle-là pour voir. Quoi? Mon dieu. Celle-là? C'est étrange. Chargé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles sont bien insérées au moins? Voyons voir. D'accord, remettons la vieille carte mémoire et on va bien voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Espèce de. Voyons voir. Espèce de. Ah, ça fonctionne. Mon dieu, quoi, 16-10%? Oh mon dieu. Bon, c'est pas celle-là qu'on veut, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas celle-là. Essayons celle-là pour voir. Voici, attendons un peu. Et puis on sur X maintenant. D'accord? Je veux dire, mon dieu. Celle-là. Mais mon dieu. Où est ma carte mémoire? Où est-ce que j'avais toutes mes données? C'est une PlayStation 3. C'est étrange, mon dieu. Il faut que je fasse un reset. Faut que je reset la console pour voir quelles sont les sauvegardes. D'accord, je mets ça comme ça. Ça va se passer. C'est bien. C'est étrange. Voyons voir maintenant si je remets ça. Apparemment, ça ne fonctionne pas vu que c'est pas dans la fente numéro 1. Ça là fonctionne. C'est bizarre, je t'ai pas rendu à 16%. À part si c'est une autre carte mémoire. Voyons voir. Voyons voir, j'ai une autre pièce. Je vais aller prendre les deux autres cartes mémoire qu'il reste. Les deux autres bonnes vieilles memory cards. Voyons voir maintenant. Celle-là fonctionne. Si ça fonctionne, je devrais avoir un menu secret qui devrait apparaître. Voyons voir. Celle-là ne fonctionne pas, d'accord? Et la dernière, je sais que la première, elle l'a pas. Ça, je suis pas mal sûr. Espèce de. Bon, faut que je reset le prochain, j'ai pas le choix. Supposé. C'est impossible que j'ai juste les sauvegardes sur cette memory card-là, que j'ai juste deux sauvegardes. Je veux dire, mon dieu, à part si j'ai perdu des données. Étrange. Voyons voir. Bon, je vais faire une autre coupure, je vais revenir de suite, donc. Allons-y. Bon, ben, je suis désolé, mais apparemment, je n'ai pas trouvé rien. Donc, voyons voir. Essayons, j'imagine. Donc, nouvelle partie, tiens. Et voyons voir si ça va fonctionner si on fait ça. Voyons voir. Je me rappelle bien, faire ça comme ça. À chaque âge.
Mon dieu, c'est bizarre. En plus, ça fonctionne comme ça. Bon, je pense qu'on va laisser faire ce BCS Live, n'est-ce pas? Parce que ça va toujours fonctionner. On va qu'on se laisse ici pour ce BCS Live, parce que, oh mon dieu. Ça fonctionne pas trop trop du tout, je veux bien dire. Donc, on se laisse ici pour ce BCS Live. Et on va se revoir pour un autre BCS Live ou un autre vidéo. Donc, au revoir!